Je vais aller débloquer tous les équipements qu'il me restait. Il y en a pas mal. Ça en fait beaucoup. Et je vais voir si je dois les changer ou pas. Ça va pas me servir à grand chose. Dans les lunettes, ça dégage 102. Ça fait 21 de plus en défense. Ça peut être très intéressant. 21 de plus en défense également. C'est les mêmes? C'est exactement les mêmes, j'ai l'impression. Ah oui, tout à fait. 101, 93. Ok, donc un de ces trois là, ça va m'apporter pas mal. Dégâts infligés par les trolls réduits. Dégâts infligés par les inférieurs réduits. Et dégâts accrus en utilisant la magie ancienne. Ça peut être très intéressant. Donc je vais prendre ça déjà de base. Le reste, je vais devoir le revendre. Et puis comme ça, ce sera réglé. Pour 2 points, je ne vais pas m'emmerder à tout modifier. Je vais revendre ça. Ça par contre, il faudra que je change d'apparence et que je mette voilà, à 0. Accessoires de coup, non, ça vaudra pas la peine. Dans les tenues, 3 en offensive, 6 en offensive, c'est pas énorme non plus. Je peux laisser tomber pour l'instant. Dans les ensembles, rien de nouveau non plus. Donc on va devoir aller vendre tout ça et on va aller discuter. Chic a une grande nouvelle pour vous. Hey Chic, voilà, merci. Salut Zikel, ça va très bien et toi? Bonjour Chic. Bonjour Chic. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui, Chic sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures. Et Chic a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix? Je me demande s'il appartient au phénix dont Nati parlait. Celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chic. Si Chic en a entendu parler, c'est maudit braconnier aussi. Ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. On va aller s'en occuper. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai? Chic pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chic ignore pourquoi, mais Chic pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chic espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle où il sera en sécurité. Ok. Et il serait où ce phénix? Alors, ah ouais quand même. D'accord. Donc dans ce territoire-là. En ce qui concerne les quêtes, on a encore une quête avec Sébastien où il va nous apprendre Bombarda. Ah ouais? Ou c'est Rocky? Soit c'est Rocky, soit il nous l'explique. Ah mais c'est encore plus loin. D'accord. Donc ce que je vais faire, ça va être tout simple. Je vais me TP sur un des avant-postes que j'avais libéré, c'est-à-dire celui-ci. Il y en a énormément encore. Qui n'ont pas été faits. Il y a encore toute la map à faire d'ailleurs. Ça, on est où? J'aimerais bien savoir où ça nous amène. Alors, je vais choisir la quête. Pardon, de Chic. Voilà. Et je vais avancer au fur et à mesure en débloquant les points de TP. Parce que ça risque de nous servir encore assez souvent. Si on doit faire des allers-retours, autant que j'ai plus de choix. Alors, le point de TP, il est en dessous? Ah ouais, magnifique. Oh là. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Également énormément d'épreuves de Merlin à faire. Tombeau de la trahison. Alors le souci c'est que je ne sais pas s'il n'y a pas une autre quête qui va m'emmener ici un peu plus tard. Donc pour l'instant il vaudrait mieux ne pas y toucher. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Et je vais devoir grimper sur toutes ces pierres. Hop, alors si ça passe. Pourquoi m'emmerder à faire autrement? Et voilà. C'était pas si compliqué. Finalement. Problème résolu.
Inutile de faire du parcours si on peut le faire avec un balai magique. Alors, qu'est-ce qui traîne encore? Je vais devoir ouvrir cette carte encore assez souvent. Puff, là. Et puis après, on pourra aller en direction de la quête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse! Attends, il y a un troll? Ah oui, monsieur est là. Tout à fait. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit où venir sans personne. Tu m'étonnes, parce que là, il y a pas mal d'ennemis à côté. Ce sera pour une autre fois. Bon, alors, Chic et ce phénix. Qu'est-ce que je vais prendre comme sort? Glacius et Arresto Momentum, ça avait l'air de fonctionner assez bien. Il n'y a toujours rien. Je ne comprends pas pourquoi. Faudrait que je choisisse les sorts. Alors, Glacius, Arresto Momentum et. Ah oui, non, c'était Levioso. Levioso, ça les bloque en place aussi pendant un petit moment. Ça peut être intéressant. Grotte du Phénix. Allez! Bon, dans tous les cas, je pense pas qu'il puisse s'enfuir là, hein, vu qu'on est dans une grotte. Salle fermée. Il va pas aller très loin. Bon! Un barrage. Un braconnier de Rockwood sans doute. Ouais, ben on va en tuer quelques-uns de plus. C'est pas très grave. On n'est plus à ça près. Par contre, il va sûrement y avoir. Confringo. Voilà. Plein de petits endroits cachés. Avec des trésors ou autres. Phoenix est peut-être à l'intérieur. Cela dit, je ne sais pas du tout si je me dirige dans la bonne direction ou si c'est justement un truc secondaire. Je pense qu'on va savoir ça assez tôt. Toi, tu te calmes. Déjà. Ok. C'est juste un coffre. D'accord. Oh bah c'est bien un endroit secondaire alors. Parfait. Tout ça pour un fauteuil. Voilà. Propre. On adore. Alors, après cette découverte décevante. On va continuer sur notre route. Un petit sac, pourquoi pas. Braconnier rabatteur. Non, je continue de chercher. D'accord, Sébastien veut qu'on le retrouve à Feldcroft. Pour la relique. Et la dernière pièce du triptyque aussi. Messieurs, bonjour. Je l'ai un rabatteur pendant qu'il charge une attaque. C'est surprenant. Rabatteur, Phénix, rabatteur. Et j'ai un bon. Bonjour. Pendant qu'il charge une attaque, hein, c'était. Voilà, ça, c'est réglé. Tu te calmes. Oula. Coupé en deux, monsieur. Coupé en deux. Moins dans le monde des sorciers. Confringo. Alors, qu'avons-nous par ici? Pas grand-chose. Mais c'est toujours ça en plus. Rebellion. Même si personnellement ça me sert strictement à rien. Mais bon. Des araignées un peu partout. Que c'est mignon. Aïe. Confringo. Voilà. Alors, un coffre. Rebellion. Objet pour ensemble non identifié de catégorie violette.
J'aurais peut-être dû aller vendre mon matos avant également. C'est pas très grave. Je pense qu'on a encore assez d'espace dans l'inventaire. Pour l'instant, du moins. Braconnier Animagus. Oh non, pas lui. Ah bah, voilà, bah ça c'est réglé. Confringo. Tombé comme du n'importe quoi. Ah, salaud. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je peux déverrouiller. Est-ce que c'est ce que je dois faire actuellement? Je pense pas qu'il y ait d'autres moyens. Le phénix. On dirait presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers. Non, trouver, tu l'as déjà trouvé. Le choper, par contre, ça c'est autre chose. Bah déjà, on va devoir le suivre. Bonjour monsieur. Bouge pas Michel, bouge pas. Oh, je vais savourer ce moment. C'était pas du tout prévu, mais bon. Hop, viens là, toi. Bonne journée. Quitte à tuer des méchants, autant le faire avec style et amusement. Allô, Mora. Alors. Voilà, bon. Petit coffre, cap de maison en velours. Ok. J'aurais pensé que ça passait, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Phoenix, où es-tu? Bonjour. Voilà. Ça y est. Ta. Je pourrais passer là. Confringo. De quelle manière? Sûrement en tombant par le dessus. Là là, hop. Voilà. Coffre. Chapeau de botaniste. C'est ridicule. Alors il y a un chemin là. Je sais pas à quoi ça sert. Ok, donc tout ça pour ça. Alors, Phoenix, où es-tu? Des araignées, ok. C'est bon à savoir. Danger extrême, ok. Dis-moi tout. Bonjour. Nous sommes dans le territoire des araignées. Ces bêtes féroces ne s'arrêteront pas avant que je sois mort. Allez, crève. Hop. Action. Réveillon. Je lui ai coupé le cuicui là, il a commencé une phrase et puis... Réveillon. Bonjour. Confringo. Confringo. Action. J'ai encore une paire d'araignées à abattre, apparemment.
Je crois que j'ai vu que j'étais à 35 sur 100. Il a encore pas mal à faire. Bonjour. Le dueliste, il a bouffé. Non, ça va. Bon. C'est pas si grave que ça. Tu es l'un des vôtres. Ça va encore. Heureusement que tu sais pas pour tous les autres. Action. Ça, c'est pour elle, Céleste. Ah oui, oui, pour elle, Céleste. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? On dirait un coffre. Avec une table de taille moyenne dedans, ok, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air très cosy comme endroit. J'aime bien le style. Je suis venu d'où? D'en face, je crois. À gauche. Attends, non, il a pas pété. Ok, bah y'a rien de toute façon. Donc je suis venu de là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici? Du Orglup, c'est pas très intéressant. Un coffre. Ah bah c'est celui que j'ai déjà ouvert. Merde! Bon bah c'est tout. On continue. Voilà, alors le phénix, je sais pas comment il a fait pour passer à travers tout ça. Mais tant que je le chope, je m'en fous. Je suis à la chasse d'un Pokémon, finalement. Attrapez-les tous. Que se passe-t-il? Bonjour. Phoenix, tu es à moi. Attends, qu'est-ce que je viens de déverrouiller? Créature débloquée, nouvelles emplacements. Oh, ok. Alors. Bonjour. Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Bouge pas, Michel. Écoute, s'il bouge pas, moi ça m'arrange. Il est temps de retourner dans la salle sur demande. Chic va être ravi. Parfait. Bon bah la chasse au phénix est beaucoup plus simple que prévu. J'ai préparé des sorts pour rien. C'est pas très grave. Au moins on l'a. Et on va pouvoir le lancer ou le lâcher dans notre atelier. Ça de plus près. Oui. Ok. Alors. On a. Ok. Alors, il a l'air un petit peu plus vénère que d'habitude. Andoloris, tiens. Ouais, Andoloris, ça peut être pas mal. Andoloris. Bouf. Il a. Ah, bon, j'allais dire pas pris de dégâts, mais un petit peu quand même. Hein. Tiens, bouffe ça. Ça, ça fait bobo, ça. Hein. Voilà, et maintenant. Voilà. Ça, c'est réglé. Voilà, merci bien pour ce combat d'entraînement. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, pour ouvrir la porte, faut que je la fasse tourner. Ah, ok, bah ça sera pour une autre fois, ça. C'est pas très très grave. Carte. Alors, où en sommes-nous? Il fallait que j'aille où? Ici. Ah, la quête, elle est déjà activée. Tant mieux. Ça, c'est quoi?
Objectif hippogriffe. Alors que j'explorais le château de Collet sur la côte du sud, j'ai remarqué un parchemin roulé à l'air important posé sur une table du château. Récupérer le parchemin roulé sur la table du château du Collet. Ok. Bah je peux faire ça en attendant. Tout à fait. Je suis pas à quelques minutes près. Allez. Un troll qui se balade encore. Je vais en avoir pas mal à égorger. Je sais pas s'il compte comme, comme boss, cela dit. Parce qu'il n'y avait pas de crâne, de tête de mort dessus. Messieurs, bonjour. Je viens en ami. Un ami, certes un peu violent, mais un ami quand même. Ce n'est pas le meilleur endroit. Il nous manque un dragon à cause de toi. Peut-être qu'on peut. Tetrificus Potalus. Bonjour. Confringo. C'est un boss. Yuna Morgan. Eh la poulette. Confringo. La poulette a disparu. Hein? Vous n'aurez jamais pu venir ici. Confringo. On te le récite. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien du tout. Je suis innocent, monsieur. Tu vas payer pour ça. Ah. Attends, attends, lui, je peux le pousser, lui. Lui, je peux l'envoyer, lui. Voyons si tu survivras. Boum. Ah, quoi? Il a rebondi. Je rêve. Bonjour, monsieur. Boum. Ah, mauvais côté, là. Monsieur. Non, il rebondit contre les parois, c'est d'une tristesse. Hein. S'ouvre. Qu'est-ce que tu as fait? Confringo. 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 Calme-toi, toi là-haut. Tu vas me mettre en rogne. Envole-toi, jeune phoenix. Ok. Je l'ai vu s'envoler derrière. Il y a du monde. Bonjour. Je pourrais utiliser Impero aussi, tiens. Je suis en train de me dire. Tant qu'à faire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, bah, quand même. Ah, 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 ah. Attends, oula. Oula, 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 oula. Voilà. Transformé en baril. Aïe. Un bondit contre le seul poteau qu'il y avait sur sa plateforme. Voyons si tu survivras à cette chaleur. Ah, bonjour. Confringo, Confringo. Réflexion. On te nourrisse. Confringo. Réflexion. Bah alors. Tu m'as l'air de souffrir un petit peu quand même là-haut. Hein. As-tu besoin d'assistance médicale? Je n'ai pas d'amis avec Confringo. Voilà, merci. Trop de potions Wigan Weld. Il y a un coffre qui traîne dans les parages. Sous l'escalier, il me semble encore, non? Non, derrière. Ok, alors comment va-t-on faire?
Bah ici, c'est pas plus compliqué finalement. Merci bien. Alors, venin, ok. Pourquoi pas. Et une note. Chasse au trésor. Hippogriffe. Feu et glace. Ok. Feu, 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 feu. La carte doit être dessinée là. Et c'est dans ce temple. Enfin, dans ce bâtiment. Ah. Où c'est que ça pourrait se trouver ça? Attends, je vais le laisser parler. Sur la carte, n'est pas très loin d'ici. N'est pas très loin d'ici, sans déconner. Alors, j'ai vu un petit peu la forme de la carte. Ça m'avait l'air d'être assez spécifique quand même. Ici. Ah bah, c'est noté. C'est moi là ou... Je sais pas si c'est la même quête, mais en tout cas, ouais, c'est ici. J'espère qu'ils me l'ont pas annoté avant même que je découvre ce que c'est quand même. Ça serait quand même dommage. Allez, go. Oula. Arrêtez de vous battre. Je ne fais que passer. Ah, tiens, je le croise, donc je le fais. Une épreuve de Merlin ? Qu'est-ce que ça sera ici ? Ah. La bouboule. Où doit aller la bouboule ? Revelio. Là. Hop, ça dégage. Oh ! J'y crois pas. Revelio. Comment je vais faire pour le remonter celui-là ? Pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec... Ah, elle a disparu. Elle est revenue ? Ah oui, ok. Pourquoi pas. Donc je vais devoir utiliser un peu plus de force le moment venu. Et utiliser un bon répulso bien placé au moment propice. Là, elle est pas trop mal. Ces épreuves parfait. De Merlin ne me résisteront pas. Mais encore du monde qui se bat là. C'est quoi cet endroit où ils se foutent sur la gueule à longueur de journée? Il y a des papillons et une source de magie ancienne. D'abord la source de magie ancienne. Avant de m'éloigner d'ici. Alors, que se passe-t-il ? Veuillez descendre pour entrer. Vous êtes sérieux ? Il y a une table d'astronomie à côté aussi. Alors, comment vais-je faire pour rentrer là-dedans? Revelio. Il y a une source là. Ah, il y a un crochet à l'intérieur. Tu sais que je vais pouvoir le choper. Là. Confringo. Ah, bah voilà. Ok, donc ça c'est pour ouvrir la porte. Très bien. Où est la source? Au-dessus. Voilà, ça c'est bon. Les deux autres sont dans ce bâtiment là. Revelio. Y a-t-il des crochets que je pourrais avoir? D'ici, il n'y en a qu'un. Mais il faudrait que je trouve de quel endroit je peux y l'actionner. Ouais, ça m'a l'air assez compliqué quand même. Ah, attends, je peux. Ah bah voilà. Voilà. Une bonne triche n'a jamais fait de mal à personne.
Ah ouais, ça c'est un peu plus cher. Enlève-toi de là. Merci bien. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir cette fois-ci. Voilà, il y a donc un coffre. Lunettes teintées sans monture. Confringo. Ça en y fout le feu. On actionne. Revelio. La question persiste, comment on fait pour sortir de là ? Hop, voilà. La manière la plus simple. Et vu qu'on est la nuit, on peut en profiter et faire ça en même temps. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici.